Venez. Bipé la générale Mimban. Boubouni Mimban. Boubouni Mimban. Général Mimban. Sortez ou partagez, je dirais, partagez mes gens. Oh. Maman, il mange la pizza. Bipé les gens. Bipé la générale Mimban. Général Mimban. On ne pleure pas. Hein. On ne bloque personne. Quand on commence, c'est jusqu'à la gare. On ne bloque personne. Est-ce que moi j'étais bloqué? Viens assumer tes clashs. Partagez, bipé les autres, mes gens. Bipé général Mimban. Mais les gens, bipé général Mimban. Coucou, ma grande la fortune. Je mange la pizza. Bon appétit à vous. Bipé général Mimban. Peace, peace. Je pense qu'on a peur de toi. On a. Bipé. Merci la fortune. Reste. Partage et bip les autres. Général Mimban. On ne pleure pas. Tu dis que quoi? Que je parle de Fandro qui? Que je parle de Fandro Gossa. Donc, tu es entré dans la team des Lolomagnan pour faire le tribalisme. Bipé tout le monde, mes gens. Bipé. Partagez, bonsoir, mes gens. Partagez, bipé tout le monde. Je n'ai pas peur de toi, mamie. Je suis une kamikaze. Renseigne-toi, hein. Il faut bien te renseigner. Je suis une kamikaze, ma chérie. Parce que tu tapes la bouche là que bep. Je suis plus kamikaze que toi. Tu me connais pas. Renseigne-toi. Renseigne-toi très bien. Général Mimban. Partagez mes gens. Sache que ton dossier est chez moi. Tes photos sont chez moi. Si je suis une mauvaise fille, je te publie. Si tu me mets au défi, je te publie. Dès ce soir. Quand la personne qui va me publier, je vais la kilam la personne qui va me publier. Mets-moi au défi, je te publie. Général Mimban, partagez mes gens, bipez les autres. Je dois laver la cervelle de cette fille. Merci la fortune. Continue de partager. Bon, maintenant j'ai fini de manger. J'ai venu de Chop. Maintenant, je peux parler. Général Mimban, je viens de rentrer chez moi.
C'est l'arrivée de chez moi comme ça. Partagez mes gens, partagez. Partagez massivement ce direct. Appelez Pispis ici. Pispis, tu veux la guerre avec moi? J'étais Sisia. Le Sisia qui était seulement Sisia. Tu as fait le direct, tu as mal dormi, tu as fait le direct à 3h du matin. Le Sisia que je t'ai fait seulement un seul Sisia. Hein, ma? Donc, c'est comme ça que tu as un cœur fragile. Quand on est dans Facebook, il faut avoir les poumons durs. D'accord? Général Mimbang, peace. Quand on est dans Facebook, il faut avoir les poumons durs. Il faut être une dure à cuire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quoi? Quand tu framponnes les gens, attends-toi que un jour, quelqu'un va faire le même boulot sur toi. D'accord? Peace. Tu sais pourquoi? Je vais pas te clasher. Je vais pas faire ce sale boulot. Mais sache que tes photos sont dans mon eBay. Tes enfants sont dans mon eBay. Tu dis que quoi? Tu dis que tu as les amis? Hein? Partagez un peu mes gens. Partageons ce direct-ci. Tu dis que tu as les amis? C'est tes mêmes amis-là qui m'ont envoyé ton dossier pour que je te lave propre. Tes mêmes amis-là. Je ne suis pas une mauvaise fille. Je le dis tout le temps. Si j'avais un mauvais cœur, c'est que je ne viens même pas te parler. J'envoie seulement les photos là, dans Facebook. Ça sort comme ça sort. Tu es une mère d'enfant comme moi. Derrière un faux profil se cache un être humain. Et tu sais pourquoi j'ai des limites? Tu sais pourquoi j'ai les limites avec toi? Viens t'asseoir ici et je te lave ta cervelle. Vous êtes les mamies de 40 ans. Vous connaissez tout. Mais il y a quelque chose qui te manque. La maturité. Ça te manque beaucoup. Cette maturité-là te manque. Peace. Je ne vais pas te clasher. Je ne vais pas te publier au nom de Lolo. Et au nom des gens qui m'ont appelé. Mais sache que tes grosses pieds, tes grosses cuisses sont dans mon eBay. Tu as un teint clair. Je dis que tes grosses cuisses, il n'y a que ta face qui est... Ta face est bien formée, c'est belle. Mais ton corps là va un peu enlever la graisse. D'accord? Ton corps là va un peu enlever la graisse. Je dis que je vais pas te faire du sale. À cause de Lolo. Sinon. J'ai tes photos, pas une seule. J'en ai plusieurs. Depuis hier soir, mon inbox est plein. Je dis que depuis hier soir, mon inbox est plein. Donc méfie-toi. Comme tu m'apportes le tribalisme, tu dis que moi je laisse... Je cesse de défendre Lolo, que j'aille dans la team de Compressor parce que Compressor est ma sœur. Comme je peux aussi te dire que les choses des Camerounais n'entrent pas.
Le Gabon, il y en a plusieurs influenceurs là-bas. Tu peux aller influencer là-bas. Donc, la mauvaise gueule, sache que c'est né chez nous. C'est chez nous que la mauvaise gueule sort. Et puis, on partage un peu dans les petits pays. D'accord? La mauvaise gueule là, ça sort de chez nous les Camerounais. Tu as dit un truc dans ton direct que Lolo m'a demandé de faire ce que je veux. Est-ce que je vais entrer dans ce jeu avec toi, ma chérie? C'est toi qui es sans cervelle. Quand on va te dire que tu es illettré, voilà le mot qu'on t'a dit depuis combien de jours qu'on te dit que tu es illettré. Tu t'enflammes. Le feu de Facebook. Coucou, ma flotton finga. Bonsoir, ma belle. Je vais bien. Je suis là, non? Je réponds à Peace Peace. Je dis à Peace Peace que Peace Peace, tu n'as jamais été général de Lolomania. Je dis que tu n'as jamais été général de Lolomania. Sinon, dis-moi qui t'a nommé général. C'est un nom que tu t'as attribué toi seul. Et quand tu viens me parler des trucs des Camerounais, ne me dis pas que va défendre Ngrenga. Va défendre Ngrenga parce que c'est ta sœur. Que Lolo n'est pas ma sœur. Nous sommes toutes les Camerounaises. C'est toi qui es Gabonaise. Va aussi faire le blog dans ton pays. D'accord? Coucou, merci Seigneur, bonsoir. Va aussi faire le blog dans ton pays. Si je veux te faire du saïwalaï, je te publie et te mets aussi tes enfants. J'accompagne aussi tes enfants dedans. Je dis que j'ai tes photos. Si tu veux me lancer le défi. Bonsoir Longon, merci Seigneur, bonsoir ma. Si tu veux me lancer-moi le défi. Parce que tu parles là. Tes grosses cuisses là. Facebook va faire ta fête. Lolo vous dépasse. Bonsoir ma belle. Je dis que toi et tes grosses cuisses, il n'y a que ta face, ton visage qui te sauve. Il n'y a que ton visage qui te sauve sur tout ton corps. Il n'y a que ton visage. Tes grosses cuisses que tu portes là. Au Calga. Au Calga, pis. Mais je te dis que si tu pousses le bouchon loin, je vais te publier. Tu me connais, non? Tu me connais, non? Je mets encore certaines limites. Comme tu parles que la personne qui va me publier, je vais te kilam. Avant de venir me kilam, tu vas d'abord te kilam toi-même. Vous voyez les gens, tes petits trucs, tes petits marabouts que tu pars toquer là. Tu es parti toquer un peu les petits marabouts. Voilà ça qui est retourné contre toi. Ça niangali ta tête. C'est en train de tourner ta propre tête. Donc, sache que, ma chérie, non, ma personne, je suis juste venue l'avertir. Parce que si je voulais faire du sale, je viens de rentrer chez moi. Si je voulais faire du sale, je ne venais pas l'avertir. Je balançais juste ces photos qu'on m'a envoyées, elle et ses enfants. C'est tout, hein? C'est tout. Donc, comme tu dis que je laisse Lolo, je ne pas défendre compresseur. Nous sommes toutes les Camerounaises. C'est toi qui n'es pas Camerounaise. Parce que tu veux venir semer la zizanie entre les Camerounais. Tu veux venir semer la zizanie entre les Camerounais. Tu mens. J'ai dit que si tu pousses, si mon, même pas que si tu pousses, si ma tête tourne un peu comme ça, là,
Je vais t'afficher sur mon mur. Je n'ai rien à perdre. Tu dis que je suis venu chercher la Stamania. Est-ce que c'est Lolo qui a créé ma page Facebook? Avant de venir supporter Lolo, j'avais ma page Facebook, ma chérie. Tu es tellement minable. Tu es minable. Au fait, tu ne réfléchis pas. Tu es sans cervelle. Tu comprends? Au fait, tu ne réfléchis pas. Tu es sans cervelle. Et je vais te dire que dans cette vie-ci, on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Même si je cherche les vues sur Lolo, c'est ma soeur. Coucou Green Club. Bonsoir, ma belle. Bonsoir. Même si je cherche la Stamania derrière Lolo, c'est ma soeur camerounaise. Et ça ne chauffe pas. Je parle de la... comment on l'appelle même? Une attardée mentale. De pisse-pisse. C'est d'elle que je parle. Tu dis que je suis venu chercher la Stamania derrière Lolo. Tu ne sais pas que on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Véronica Mas, bonsoir. On devient tous quelqu'un derrière quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Toi-même, tu dis que tu n'es pas venu chercher la Stamania. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux compter tes vues avec moi? Toi, tu fais un direct où, depuis combien d'heures, tu n'as que 350 vues. Mais attends un peu, de qui se moque-t-on? Hein? Mais c'est la personne qui a volé que. De qui se moque-t-on? Mimbang. De qui se moque-t-on? J'ai dit que je vais avoir les limites avec toi. Mais si tu pousses le bouchon loin, je t'affiche. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Depuis hier soir, tes photos avec tes pieds comme ça en gym, tes cuisses comme ça, ça prend ma part deux fois. D'accord? De ventre alors. Toi, tu viens me parler? Tu veux me diviser avec ma soeur camerounaise? Tu es qui? Hein? Tu es qui? Tu es quoi? Tu as vu depuis que j'étais dépassée. Tu as le gloire ici, là. Tu as vu que entre toi et moi, il n'y a pas match. Entre toi et moi, il n'y a pas match. Moi, je peux te prendre, donc je peux te prendre face to face, tête à tête. Sans prendre les noms des gens à côté. Si je dis que je te lave, en regardant seulement tes photos comme ça, là, je te lave propre. Parce que tu n'es rien du tout. Mais, je te laisse à cause des lolomanias là qui m'ont appelé aujourd'hui. Parce que je les ai envoyé tes photos. Tu dis que tu as les amis. Tes amis là ne t'aiment pas. Je suis juste venu t'avertir. Je suis juste venu t'avertir que au Calga, j'accepte que je suis venu chercher la Stamania derrière Lolo. C'est ma soeur, non? Hein? C'est ma soeur, non? Quelqu'un cherche la Stamania derrière sa soeur, ça te choque, ma? Attends un peu. Quelqu'un cherche la Stamania derrière sa soeur et ça te choque? Hein? Lolo, c'est ma grande soeur. Si je l'appelle ma mère, c'est par respect. C'est par affection. Elle ne peut pas m'accoucher. D'accord? Je cherche la Stamania derrière ma soeur, tu te fâches. Tu te fâches pourquoi? C'est ta soeur? Hein? Attends-moi là-bas au Gaboma. D'accord? Attends-moi là-bas.
Donc, peace, peace. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive entre mes mains. Oh. Je ne veux pas que quelque chose t'arrive entre mes mains. Qu'on dise que j'ai eu pitié de toi parce que si tu n'avais pas d'enfant, je te balançais. Après, dire wallahi billahi. Si tu n'avais pas d'enfant, je te balançais. Je te jure sur tout ce qui m'est cher. Je t'ai laissé à cause de tes mounas. Et je te laisse à cause du respect que j'ai envers ma sœur camerounaise. Je te dis. Je dis et je répète. Je te laisse à cause de tes mounas parce que moi-même, j'en ai 5. Bonsoir Floriane. Et je te laisse à cause de ma soeur camerounaise que tu dis que je ne dois pas la supporter, que j'aille supporter Ngossa parce que Ngossa c'est ma soeur. Tu vas porter le tribalisme au milieu des Camerounais. Ma chérie. Si tu marchais avec les yeux fermés, avec les gens qui sont à côté de toi, maintenant ouvre tes yeux. Parce que les gens qui t'entourent ne t'aiment pas. Ce sont ces gens-là qui m'ont envoyé. Je ne trahis pas moi les gens. Hein. Je ne trahis personne parce que je suis une blogueuse. Si ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Tu dis que je vais chercher un nom derrière toi. Wonderful. En arrivant sur la toile, j'étais sur la toile depuis. Je le dis toujours ici. Je savais que quelqu'un comme toi existait. Quand j'ai commencé à supporter Lolo, c'est là où tu es sorti sur moi. Tu m'as insulté. J'ai enregistré. Tu m'as insulté, j'ai enregistré. Mais à cause du respect que j'ai envers la personne que nous supportons, nous deux. C'est comme je disais hier que on ne fait pas la guerre dans la maison des œufs. Sinon, il y aura massacre. Je te laisse. Mais le moment opportun va arriver. Le moment opportun va arriver. Je te laisse parce que toi et moi, on ne discute rien. Juste du fait que je t'ai reproché, tu viens me dire que j'aille supporter Compressor parce que Compressor, c'est ma soeur Bassa et Lolo n'est pas ma soeur. Je vais te dire que toutes là qui sont sur la toile sont mes soeurs camerounaises. Attends-moi au Gabon. Si je meurs, ce sont ces femmes-là. Même si on a nos partis pris. D'accord? Même si on prend même si on a nos partis pris. Donc, chacun supporte son camp. Mais si je tombe là, ce sont elles qui viendront à mon secours. Toi, tu seras où? Tu seras loin au Gabon. Donc méfie-toi quand tu viens diviser les Camerounais. Nous sommes tous Camerounaises. Oui. Je dis que malgré que chacun prend sa part de star, soulève sa part de star. Mais sache que si on dit là que la blogueuse non-name là, qui
Ouais, ma, c'est qui? C'est Monica. Ouais, oui. Tu vas voir, tout le monde va se lever. C'est toi qui es bête. C'est toi qui es doom. C'est toi qui es doom. Viviane qui est là, elle est venue, va réécouter son direct. Elle est venue diviser les Camerounaises entre elles. Elle s'est permise à me dire que... Bonsoir ma grande sœur, bête. Elle s'est permise à me dire que j'ai supporté Ngossap, parce que Ngossap, c'est ma sœur Bassa, que je laisse Lolo tranquille. Que Lolo est baganté. Je voulais juste te souligner cette partie-là. Que si je tombe, toutes ces filles, toutes ces femmes-là vont se lever. Il n'y aura pas que Bassa ou Bamleke ou bien Bamoise ou bien quoi que ce soit. Toutes ces femmes-là vont se lever. Ce qu'il y a dans ton ventre, j'ai ça plus 100 000 fois que toi. Mais je dis que je laisse au nom des Lolomayans qui m'ont appelé et au nom de notre patronne, nous deux. Mais ça, j'ai gardé, je garde donc précieusement tes photos et les photos de tes enfants, tes mounas. Je garde. Tu connais les gens que tu appelles sur WhatsApp, non? Tu veux que je te donne le nom? Méfie-toi. Je ne suis pas là pour vendre les gens. Je n'aime pas trahir les gens, mais ne me pousse pas à bout. Je te le dis. C'est comme ça que moi j'avertis au... Le mauvais cœur là, c'est chez nous. Quand on dit que mauvais cœur, pas le bruit que tu... Moi, je n'aime pas trop bavarder. Ceux qui connaissent, sachent, connaissent que j'agis. Je n'aime pas trop bavarder, ma chérie. Je ne veux pas qu'on dise, qu'on commence à dire que... Elle est venue... séparée, elle est venue, elle a commencé à afficher les gens. Je ne vais pas t'afficher. Dors tranquille. Je dis qu'à cause de tes mounas seulement, ils sont très mignons. Je te laisse. Et sache que tu n'es pas... Je n'ai pas peur de toi du tout. Hein. Ça, il faut le noter. Je n'ai pas du tout peur de toi. Mais si tu pousses le pion un peu encore seulement, je vais t'afficher. Sans blague. Je vais t'afficher et ce qui va arriver, va arriver. Donc, méfie-toi. Méfie-toi. Non, Viviane qui est là, je laisse. Des gens m'ont appelé, je laisse. Je te laisse au nom de ces gens, au nom de ces gens-là que tu insultes. Tu as insulté ces gens-là. Mais elles m'ont appelé, je laisse. Mais sache qu'il y a... Il y a plus que toi sur Meta. Je te le dis. Donc, mes gens, j'ai vu que Tata Lolo était en train de... Voilà, la télé de Tata Lolo est devenue la télé, une télé internationale. Applaudissez pour vous-même, maman. Ovationnez pour vous-même. La télé de l'heure, c'est de ça qu'il s'agit. La télé de l'heure, c'est de ça qu'il s'agit. Quand j'ai vu ça, j'étais contente jusqu'à... J'ai dit que
le tout si là, le gloire de ça, maman. L'ennemi, oh, l'ennemi tremble seulement comme ça, là, dit que, yeah! Donc, tata Lolo a progressé comme ça. Oui, elle a fait le bim. Nous allons voir le match là en direct sur la télé de tata Lolo. Et ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Jean, comme je vous ai dit, j'ai fini de manger ma pizza. Et puis bon, je voulais juste passer deux mots au général Mbang. Que si c'est le clash, je vais te clasher propre et je t'affiche, j'affiche aussi tes mounas. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. De toi, tu ne me sers à rien. Tu étais la première personne ici à m'insulter sur Meta. Tu étais la première personne. Et je vais te dire que Lolo n'est pas lesbienne. D'accord? Lolo n'est pas lélé pour que tu t'accapares de Lolo. Elle n'est pas lélé. Il faut laisser l'espace aux gens qui viennent lui donner, lui tendre la main. D'accord? Si tu pars dans tes gringris là pour inoptiser Lolo, elle-même d'abord le sang fort. Dans tes trucs que tu fais là-haut, master, 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 une place, master, 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 une place. Elle n'est pas née pour toi. Elle n'est pas née pour toi. Je ne te dis pas les gros, gros mots. J'ai donné ma parole aux gens. Je respecte. Parce que je suis une fille de parole. Je respecte, je ne te clash pas. Une femme qui est douce, ça se voit dans son langage. Une femme douce se voit, ça se voit dans sa manière, ses manières en fait. Une femme qui est douce. Une femme qui est douce se voit dans sa façon de parler, sa façon de faire des choses. Voilà. Tu n'es pas du tout une femme douce. Tu fais le grimbat pour ton... J'ai dit que j'ai ton dossier. J'ai ton dossier. Ton moncala que tu as là. Si tu me tentes, je vais sortir ton dossier sur Meta. Et je ne veux pas en arriver là avec toi. D'accord? Laisse la reine mère bio tranquille. Elle ne t'a rien fait. Les femmes là, c'est toi qui dis que, oh, la paix, la paix, la paix, la paix. Qui a empêché Fleur de Lille faire la paix avec Lolo? Personne. Respecte le mot là que paix. Et tu laisses les deux femmes aussi là en paix. Laisse aussi la reine mère bio en paix. Hmm? Elle t'a rien fait. Tu viens dire que oh, je dis bas ce que les je dis haut ce que les gens parlent bas. Tu ne peux pas taper ce n'était pas le moment de voilà de te jacasser, hein? Ce n'était pas le moment de te jacasser. Tu n'es pas ma cible sur Meta, ma chérie. Mais le moment venu, je vais te montrer que vrai, vrai, j'ai ton dossier. Calme-toi. Ne t'inquiète même pas. Moi, je ne cours pas. Hein. Je ne cours pas. Donc, calme-toi. Le moment venu, je vais te montrer que j'ai ton dossier. Hmm? Quand les gens sont en paix, il faut les laisser en paix.
Ta sta, ta sta t'a dit que elle a fait la paix. Il faut laisser. Il faut laisser tomber. Tu penses que qui? Regarde-moi, depuis le matin, je suis sortie de chez moi. Allez, walk. À peine je suis rentrée chez moi. Je dois, comment dire, je dois démarrer la machine à laver. Il y a d'autres vêtements que je dois repasser. Parce que mon enfant, celui qui est ici, il va à l'école. Donc, je dois repasser ses vêtements, je dois repasser les miens, je dois repasser. Voilà. Hein? Tu penses que ça plaît aux gens de venir rester, voilà, commencer à dire des gros, gros mots? Oui, Angéline, j'ai son dossier, c'est plein. Hier seulement que tu m'as donné, tu m'as engueulé là. À 3 heures, tu n'as pas dormi. Si elle voulait lancer le direct, c'est qu'elle lançait le direct là. Donnez ton dossier propre. Quand j'ai seulement bombardé le poste là, les gens ont commencé à m'appeler que ouais, ma, laisse. J'ai envoyé tes photos aux gens là. Que la voici. Ouais, mais Jean, j'ai envoyé tes photos, hein. Peace. Tu veux qu'elle te donne ton vrai nom? Emma? Méfie-toi des Camerounais, hein. Tu connais très bien les Camerounais. Toi, tu es là, tu parles, tu te jacasses, tu parles. Est-ce que tu connais même les Camerounais? Isabelle et Yenja, ton gros zout. Tu y as non, je ne te bloque pas, je te lave d'abord propre. Ton gros zout. Tu y as non. Regardez-moi une laide de choses. Regardez sa photo de profil. Une laide de choses. Que toi tu cherches même quoi? Je cherche le gros zout de ta vieille, de ta sale mère. Tu y as non? Le gros zout. Je cherche le gros zout de ta sale vieille mère. Idiote. Regarde-moi qui parle. Regardez. Attends, alors je te bloque. Comme ça, tu ne me verras plus. Saleté. Tu es une sale femme, toi, Isabelle. Pauvre idiote. Oui, tu es une pauvre idiote. Viens encore commenter. Vois les perdus. Vois les perdus de méta. Les perdus de méta. Viens encore commenter ici, là. Comme vous n'aimez pas la paix. Quand toi tu cherches, je cherche le gros, les gros, gros noyaux de ton pâté. C'est ce que moi je cherche pour mieux le gnoxer. Les gros, gros noyaux de ton pâté. C'est ce que je cherche sur Meta pour mieux le gnoxer. Je le gnoxe, il commence à pleurer. Ton pâté. Oui. Regarde-moi les rientons comme ça. Allez travailler, vous ne voulez pas travailler. Hein? Occupez même vous de vos maris. Maintenant là, il fait froid. Hein? Maintenant là, il fait froid. Si tu peux même regarder la personne même qui m'insulte, qui vient ici m'insulter. Depuis le matin, elle n'a même pas encore arrangé sa maison. Depuis le matin. Elle n'a même pas encore arrangé sa maison. Elle est sur place avec les pipis aux règles. Elle est là sur place. Allez travailler la dépasse.
Sembra un problema del tuo dispositivo Echo o del tuo router. Prova a riavviarli. Per farlo, scollega entrambi dall'alimentazione, poi ricollega il router e Alessia, 30 Alessia! Quando il router funzionerà di nuovo e sarà connesso a internet, ricollega il dispositivo Echo all'alimentazione. Alessia, basta! Ça l'est tout de mon fils, hein? Eh, Adi. Ouais. Comme je vous disais, mes gens, il n'y a rien de spécial ce soir. On fait le Congo ça. Le tour du village Facebook. Hein? Vous qui venez m'insulter, vous perdez votre temps. Si je suis sur Meta, c'est pourquoi m'insulte. Vous croyez que quoi? Hein? Si je suis sur Meta, je dois assumer les insultes. Donc, vos petits Yamangolong des insultes, là, ça glisse sur moi. Puisque je ne mange pas chez vous. C'est vous qui êtes là avec les comment dire, les mamies qui sont pleines de mousse. Sans laver, les assiettes sans laver, rien, nettoyer le sol, laver les toilettes, rien. Les sales femmes comme ça, là. Vous venez insulter les gens. Hey Isabelle machin, bordel que tu sois. Une waka woman. Tu n'as pas travaillé aujourd'hui dans tes camions. Hmm? Isabelle machin, tu n'as pas travaillé aujourd'hui dans tes camions. Regarde-moi les sales waka de la France. Les sales waka comme celle qui est en Chine là-bas de Julia Robert. Une sale waka, vieille chouette. Elle marche chine. Les Chinois ont fini avec son zout. Ma Chin, les Chinois ont fini avec ton zout. Toi, Julia Robert. Julia Robert, que les Chinois ont... Elle tourma même avec les chiens. Tu tourmes avec les chiens, toi, Julia Robert. Hmm? La team qui tourma avec les chiens. Jusqu'à... Je dis, un jour, vous allez porter les grossesses des chiens là. Je vous dis ça. One day, vous allez porter les grossesses des chiens. Regardez-moi les mal baisés comme ça. Chienasse, tu veux me parler? Hmm? Moi, j'étais travaillé. Tout à l'heure, là, je vais me mettre à repasser les habits, les vêtements de mon fils. Toi, tu fais quoi? Tu es là toute une journée, il est 19h13. Toute une journée, préparée pour ton job, tu en as même. C'est des femmes qui jettent les valises de leurs hommes sur le balcon. Hein. Les femmes comme ça, là, comme Isabelle. Hein? C'est les femmes comme ça, non soumises. Elles ne sont pas soumises. Elles ne savent pas comment on caresse, comment on garde un homme. Les vieilles chouettes comme ça. Elles ne savent pas comment, quand l'homme vient, quand l'homme entre de la maison, oui, c'est comment? Ça va? Tu es arrivé? Vous agressez les hommes. Voilà pourquoi vous êtes là-bas, la jachère peut vous tuer. Vous êtes entassés en France. Il faut que la France commence même à libérer leur pays. Là, on vous renvoie au Cameroun parce que vous ne foutez rien en France. Vous ne foutez rien en France. Il faut que la France commence à libérer. Hein? Elles sont là, c'est l'État qui paye tout pour elles. Vous venez insulter les gens sur Facebook que vous êtes les qui? Hein? Vous venez insulter les gens sur Facebook que vous êtes les qui? Gardez vos hommes. Ça vous dépasse. Parce que vous voulez l'argent de la CAF. Même pas honte. Regardez-moi les feignantes comme ça. Elles sont là comme les tout pourris. Hmm? Elles sont là comme les tout pourris, les vendeuses de piment. Allez travailler, non? Travailler vous dépasse. C'est Monica que vous voulez, vous venez insulter. Je dis que... Autant pour moi. Travailler vous dépasse. C'est moi que vous venez insulter. Vous allez m'insulter fatiguée. Je suis plus belle que vous. Vous êtes là avec les tas de graisse. Le ventre, mettre même les deux pièces vous dépasse. Hein?
Mais regardez-moi les filles, les femmes maudites comme ça. Vous êtes des femmes maudites. Vous pouvez me dire quoi? Voilà Lolo qui vous a dépassé. Allez encourager ce qui est bien. Hein? Appréciez ce qui est bien. Les vieilles ingas, les vieilles waka. Appréciez ce qui est bien. Appréciez même. Ne serait-ce qu'apprécier vous dépasse. C'est venir en commentaire insulter qui va vous donner quoi? Ça vous rend quoi? La force pour moi, c'est que moi, je suis là, vous me regardez. Vous m'insultez en bas. Et je vous bloque. C'est de ça qu'il s'agit. Et si je savais qu'une comme toi existait, toi Isabelle Machin, vieille chouette, bordel de la France, les filles qui passent leur temps à mettre les matelas dans le camion et tout mal là-bas, encaisser les bangzizi des Arabes. Celle-là qui est en Chine là-bas, ma chine, elle encaisse les bangzizi des Chinois. Même pas, on est vendeuses de piment. Quand elle voit une fille belle, hein? Quand elle voit que tu es belle, la jalousie de ça, elle pense seulement que tu es venu arracher leur mari sur Facebook. Gueule, honte à vous. Honte à vous. Quand cette vieille femme la voit seulement que, maman, la beauté de ça, le style de ça, le corps qui va avec, maman, gueule. Tu peux avoir une belle fille comme moi dans ta famille. Montre-moi. Isabelle, si c'est quoi? Isabelle me bimi coûte. Tu peux avoir une belle fille dans ta famille comme moi. Montre alors. Bien formée. Ne pas, faut pas prendre les gens qui ont coupé leur corps, qui ont coupé leur corps comme le soya. Venez me présenter. Hein? Voilà les gens qui ont coupé leur corps. Vous coupez même vos corps comme ça, vous n'allez pas avoir mon corps. C'est de ça qu'il s'agit. Je me vante avec. Si toi qui me regardes, si ça te choque. Ngongoli, Ashuka. Oui. Toi qui me regardes, si ça te choque. Ashuka, Ngongoli. C'est Dieu qui donne. Et même Dieu vous donne. Ce corps-là, qu'est-ce que vous faites avec? La pizza dedans, le grand matin, vous mangez même 10 chikwang, comme la saleté de Ndola Mignon, donc il met la grosse tête comme ça, comme les papins de vin. Elle mange 10 chikwang le matin. À midi, elle prépare les marmites de riz. Elle mange. Le soir, alors, c'est la magie. Une femme qui a chassé son mari sur le lit matrimonial. Elle vient aussi parler sur Facebook. Toi, Ndolé Mignon, Micheline à la rondelette, tu mets ta tête comme ta gym, tête comme ça, là, comme les papins de vin. Regardez-moi les choses comme ça. Elle vient parler. Celle-là de Michel Zumba. Ngombu. Michel et Somba et comment on l'appelle et Angoulette, que ses joues sont tombées comme ça. Ses joues sont tombées et bien tracées comme la papaye pourrie. Angoulap qui a pris comme allié Michel et Somba, celle-là. Comment on l'appelle? Ma Akala, la grande sorcière de Meta. Celle-là, alors. Ma Akala, la grande sorcière de Meta. Celle-là qui a malaxé les têtes des gens comme ça, là, pour avoir la Samania. Maintenant, tu ne vends plus les gluta. Maintenant, c'est les crèmes éclaircissantes que tu... Ayez peur de Meta, mes gens. Ayez peur de Meta. Parce que... Meta, c'est la dimension. Hein? Meta, c'est la dimension. Ayez peur de Meta. Gluta. Tu ne vends plus les gluta. Maintenant, c'est les crèmes éclaircissantes que tu vends. Yeah! Maman, il fallait nous dire ça depuis, non? Hein?
Il fallait nous dire ça depuis. Au lieu de venir mélanger, je dis, votre affaire là, votre affaire de machin assassinat machin là. Vous en êtes, vous êtes où avec cette affaire? Hein? Jusqu'à aujourd'hui, nous on attend les vox. On attend les vox, hein? On attend les vox là. Quand il y a les vox, il y a les vox. Au lieu que de mettre les preuves, au lieu que de mettre les vox, au lieu que de mettre, de sortir les preuves, vous venez embrouiller les gens. Vous venez embrouiller les gens pourquoi? Makala. Il fallait nous dire depuis que tu voulais sortir une gamme éclaircissante. Hein? Donc c'était toute ta jalousie comme ça. Yeah, maman. Makala. C'était toute ta jalousie comme ça. Vous qui venez nous vendre le rêve sur Meta. Tout le monde est milliardaire. Même Général Mimbang est milliardaire. Meta, c'est la dimension, maman. Tout le monde est milliardaire sur Facebook. Mais, Makala, j'ai vu la maison de ta mère en dôme. Hein? La maison de ta mère, c'est en dôme. J'ai ça, hein? J'ai eu la maison de ta mère. C'est avec la peinture kaki, un ja là. Hein? C'est à côté du restaurant bar de... Je vais me rappeler du nom là. Hein? Pas renouveler la maison de ta mère. Laisse-nous le mbrakata, les fuma que tu fais sur Facebook là. Hmm? Montre-nous que tu es vraiment milliardaire. Va renouveler la maison de ta mère que j'ai vue là en dôme. Va renouveler la maison de ta mère. Parce que moi, j'ai la maison de ta mère jusqu'à dedans, jusqu'à l'intérieur. On a filmé, on m'a envoyé. Hein? Pourquoi tu ne vas pas renouveler la maison de ta mère? C'est venir brandir sur Meta que je suis milliardaire. Vous les milliardaires là de Meta, il faut qu'on commence à vous chicoter. Oui, il faut qu'on commence à vous chicoter, vous les milliardaires de Meta là. Hmm? Il faut qu'on commence à vous chicoter. Non, Sidonie, on m'a demandé de laisser. Je la laisse. Mais si tu veux ces photos, la fille là, non, son cœur va s'arrêter une fois que bam. Parce que si c'est pas la bouche que je tape là, si je partage vrai ces photos là. Tu vas tomber syncope. Bonsoir, Yere Koki. Si je partage vrai tes photos là, pis, tu vas tomber syncope sur Meta. Donc, Sidonie, laissons. Les grands se m'ont parlé. Laissons tomber. Je la laisse. Mais, qu'elle sache seulement que le cœur que les Camerounais, le Camerounais, le cœur comme ça là, Ndim cœur comme ça là, ne me mets pas au défi ma chérie, parce que je vais te verser sur mon mur. Ne me mets pas au défi, hein. Je te verse toi et tes enfants, et ça ne va rien enlever. Je vais sortir les photos là où... Je vais sortir les vidéos là où tu avais commencé à me framponner. Parce que j'avais gardé. Va n'importe où, j'ai droit sur toi. Oui. Je dis que moi, va n'importe où, j'ai droit sur toi. Tu sais ce que ça signifie? Hein? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Que si tu pars n'importe où, même dans ton gring-gring là,
On va te dire que c'est toi qui avais provoqué la fille si tu m'avais insulté. Et j'ai droit sur toi. Donc, ne tente pas avec moi. Et sache que tu ne peux pas me mettre au défi. Parce que le cœur que j'ai comme ça là, dis-le, donc un dîme cœur comme ça là. Quand tu vois que je mange et je ne grossis pas, c'est tout mon cœur qui a pris mon corps. Hein. Donc méfie-toi avec les gens comme ça. J'ai un gros cœur, très mal. Il ne vient pas mal. Non, héros coquille, je ne la verse pas. Je la laisse. Les grandes soeurs m'ont parlé. Je la laisse. Mais qu'elle sache que tes photos, j'ai plusieurs téléphones. J'ai envoyé dans la tablette de mon fils. J'ai envoyé dans mon ordinateur. J'ai envoyé dans mes deux téléphones. Et l'iPhone aussi que je suis en train de faire les directs. C'est là. Donc, même si on me vole le téléphone, si tes photos sont un peu de partout dans ma maison, la tablette de mon fils, oh, c'est dedans. Partout, c'est dedans. Ton dossier, c'est dedans. Je dis que... peut-être la personne... Maman, excuse-moi. Hein. Je ne verse pas comme je t'ai promis là. Il faut laisser. Hmm? Mais le moment venu, je sais qu'un jour, tu as fini de me donner le dossier. Ne t'inquiète pas. Et je te remercie. Je te remercie beaucoup. Donc, au nom seulement, tu dis que je ne suis pas Lolomania. Et ce, je suis venu dire ici que j'étais Lolomania, ma. Toi, tu es Lolomania et tu... c'est toi qui es bête comme tes las qui sont là. Tu es trop bête. Tu es un Mbunga. Quand on dit que Mbunga, tu es un Mbunga. Oui. Tu es vrai une Mbunga. Parce que j'étais seulement titillé comme ça là. Titillé seulement. Hein? On m'a envoyé tes faux profils. Je dis que je te regarde avec mes yeux. On m'a envoyé tes faux profils. Tous tes faux profils avec lesquels tu walk. Ici dans Meta. Je t'ai dit que ne blague pas avec les Camerounais. Tu ne maîtrises pas les Camerounais. Lève ce dossier. Comme mon cœur s'est calmé là. Lève ce dossier. Je te dis, tu ne connais pas les Camerounais. Et même ces gens-là qui sont à côté de toi, méfie-toi. D'accord? Méfie-toi. Je te laisse. Mais... il y a un mais sur ça. Un mais sur ça. Si tu es Lolomania, comporte-toi comme ta star. D'accord? Moi, je ne suis pas Lolomania. J'ai mon mur et j'ai mes gens qui me suivent. Pour te dire que je suis blogueuse, même avec mes deux vues, j'ai les gens qui me regardent. J'ai mes samouraïs. Je suis sympathisante des Lolomania. Je n'ai jamais proclamé ici là que je suis Lolomania. Je n'ai jamais proclamé. C'est toi qui dis que tu es Lolomania. Moi, je ne suis pas Lolomania. Je n'ai jamais proclamé ici que je suis Lolomania. J'ai mes samouraïs qui sont là. Je fais mon blog. J'ai ma page. Toi, sans Lolo, tu ne peux pas faire le blog. Sans être dans le milieu camerounais, tu ne peux pas, tu ne vas insulter personne. Oui, voilà où je te dépasse. Voilà d'où je te dépasse.
Parce que moi, j'ai mon mur, je peux m'exprimer à visage découvert. Et toi, tu ne peux pas. Parce que tu as un faux profil. Tu as un faux profil qui travaille pour quelqu'un. Et la dernière fois, elle a dit que n'insultez plus à mon nom. Elle s'est indexée à toi. Tu ne sais pas ça. Tu es bête. Ou bien tu veux qu'on t'ouvre, on t'ouvre la tête pour entrer dans ta cervelle. Hein? Tu veux qu'on prenne le coton pour nettoyer un peu tes oreilles. Hein? Elle a demandé de ne plus insulter à son nom. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Qu'est-ce que tu trouves maintenant? C'est de te rallier dans le camp de King Kam. C'est tout. Tu vois d'où moi je te dépasse. Parce que moi, il y a les réalités. Il y a l'actualité du Cameroun. Il y a tout ce qui ne va pas au Cameroun. Voilà la CAN. Je peux parler de la CAN. Hein? Il y a plusieurs sujets. À part les insultes, j'ai plusieurs contenus à proposer aux gens à visage découvert. Parce que j'ai mon mur. Je suis là pour ça. Oui. Tu penses que quoi? Que quand tu vas me dire que laisse ma star, va défendre Ngossa. Va défendre Ngossa parce que c'est ta soeur. Je ne laisse pas ta star, parce que ta star, c'est ma soeur camerounaise. Ta star, c'est ma soeur camerounaise. You don't hear, non? Hein? Je ne laisse pas ta star. Je ne laisse pas ta star. Ta star, c'est ma soeur camerounaise. Tu es trop bête. Trop bête. Plus bête que toi. J'ai des amis gabonaises. J'ai des amis gabonaises. Elles sont là. Sois moins bête, ma chérie. Tu as 40 ans. Tu as quel âge? Tu as plus de 40 ans. Parce que voir tes photos là, c'est vrai qu'avec le poids, on peut voir que voilà, tu es une vieille femme, que tu es... Non, tu n'es pas une vieille femme. C'est juste le poids. Tu as juste le poids. Je pense que c'est le poids de l'accouchement. Mais tu as un beau visage. Donc, au Calga, ma chérie. Au Calga. Tu n'es pas ma cible sur Meta. Mais. Il y a un mais. Si je veux te vendre, j'envoie seulement tes photos. Et les photos de tes Mona. J'ai ton nom propre. Je dis que ton nom propre, Janet. Moi, je ne casse. Si tu veux, tu as dit que est-ce que j'étais caricaturé? Mais tu m'as insulté. Tu m'as pas caricaturé. Je dis au nom de tes beaux gosses. Même pas pour Lolo. Vrai, wallahi. Parce que je suis une mère d'enfant. J'ai des enfants. C'est le pourquoi ils te laissent même. Vrai, wallahi. Pour le respect de ces enfants-là. Wallahi, bilahi. Renseigne-toi au Cameroun qui est le peuple Bassa. On va te dire. Si ça ne va pas avec les mains, nous on ramasse les machettes. On va en guerre avec les machettes. Tu sais pas ça? Hein? Je dis que si ça ne va pas avec la bouche, si on se fatigue avec la bouche, on va en guerre avec les machettes. Donc, méfie-toi, ma chérie. Tu connais les dossiers des gens que j'ai ici? J'ai dans ce téléphone-ci. Hein? Est-ce que tu connais les dossiers de... Si j'étais une mauvaise fille, que vrai, là, j'étais seulement à l'enquête de la Stamania, c'est que j'ai affiché plusieurs personnes. Hein? Non, vrai. Et ça dépend de
d'où aussi, d'où tu as grandi. Parce que je n'ai pas ce, je n'ai pas, comment dire, je n'ai pas reçu cette éducation-là. Oui. Je t'ai dit qu'une bonne fille, ça se voit à travers sa manière de parler, sa manière de s'exprimer. Une femme douce, se voit par ses manières. À travers ses manières, on voit que ça là, c'est femme au foyer. À part le Ngrimba, le dossier de ton mari Ngrimba. Le dossier du Ngrimba de ton Watt.